Hey, 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 coucou tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue. On retrouve notre Iowa qui fait la moue. C'est clairement ce qu'on peut dire, on peut appeler ça faire la moue. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il a ce pauvre petit bichon? Alors, sauce! Ah oui, bah il refoule des aisselles, hein. Allez, bichette, va te laver là. Ouh, poutou, poutou, poutou. Ça commence bien. On avait quitté Iowa. Après avoir conquis le cœur d'une nouvelle petite autochtone à Selvadrada. Donc j'essaie de le requinquer et puis après, bah, on va se remettre en chasse, bien sûr, des trésors, des reliques, de ce qui nous manque, quoi. Bordel à cul. Alors que la porte du temple ne s'est pas encore réouverte. Donc quand il sera fin prêt, on ira explorer les autres endroits qu'on n'a pas encore vus. Mais qu'est-ce que... Mais oui, mais alors, ça veut dire que les domestiques que j'engage, qu'on engage chez nous, ils viennent aussi en vacances? Ok, bah, pourquoi pas. Allez, on arrive à la porte qu'on va ouvrir, je check. Non, pour l'instant, c'est pas réouvert. Vas-y, mon coco. On est prêt à affronter tous les dangers. Oui, je sais, t'es excité, les lianes, ça te fait des trucs, mais quand même. Oh, bichette! Oh, tu as perdu ta machette! Œuf mystérieux. Allez, compétence fuséologie au max, évidemment, puisqu'on est déjà à 10. Et voilà, on a encore une fois un œuf, enfin un truc extraterrestre, quoi. Et ouais, on va aller voir au bain omnisquin, il y a peut-être l'autre truc qui est ouvert. Alors, les bains royaux omnisquins, ils sont beaux, ils sont tout choux. Tu vas les fertiliser ici. Oh yes, on peut y aller. Oh, ça c'est cool. Donc ben, on va se faire plaisir, hein. on va aller ici, sachant que vous savez, c'est les espèces de jardins qu'il y a sur le côté. Et il y a un trésor dedans, donc on peut croiser les doigts. Vas-y, hache-moi menu cette petite liane. Oh, ok, ben, il est content. Ouais, c'est parti pour une nouvelle aventure. Plante carnivore, que doit-il faire? Bon, je fais un peu au... rapidement parce que allez on va parce que le bricolage je suis pas sûr qu'il soit très élevé, on va prendre le répulsif anti-araignée. Sauver le Sims, l'autre Sim est tellement reconnaissant qu'il donne à plusieurs objets qu'il a trouvé. Oh oui, une relique en or, hein. Alors comme il a tenu absolument à venir avec son vélo, mon vélo, qu'est-ce que donc il est où le trésor, il est où le trésor? Mais viens là Jean-Claude. Le trésor, il est où? Bon sang. Ah, il est là! Je l'ai trouvé. Ça y est, tu peux m'ouvrir ce trésor, petit. Allez, mon biquet, ouvre-moi ça. Ouvre-toi, Sésame. Dis-moi qu'il y a des trucs... Oh, encore une grenouille! Bon, c'est mieux que rien, hein, mais moi, je voulais une relique en or. Pfff. Le fossile et le fossile, eh ben, toujours pas bon. Alors, nous revoilà ici. Ah, la porte du temple est dispo. Tu peux venir là. Et ici, il y a un truc. Tu vas aller me creuser ça avant. Si le jeu veut bien, effectivement, tu vas creuser ça avant. Et puis, bah, c'est parti pour un autre temple. Oh non, pas les abeilles. J'en ai marre de ces bestioles. Oh, mais tu sauras les éviter. Évidemment qu'il va les éviter. N'aie pas peur, c'est juste des abeilles. Voilà, reste immobile, t'as raison. C'est un truc que je saurais jamais faire de ma vie, moi. Bon. Concernant les calcaires. Voilà. Encore un morceau de calcaire qu'il a trouvé. Où est-il? D'où vient-il? Formidable calcaire. Et pas de musique, donc c'est toujours pas celui qui nous manque. Allez, maintenant, arrête de faire ton beau gosse. Et s'il te plaît, ouvre-nous ces lianes. Oui! Qu'est-ce qu'il est fort! Le sac abandonné! Bon, ben go pour la logique, hein, puisque on a 10, donc c'est parti. Qu'y a-t-il dans le sac? Du matériel utile. Cool, bien sûr qu'on va au temple. On va le visiter de fond en comble, ce temple. Alors, on a obtenu le style de vie grand voyageur. Bah, tu m'étonnes. Allez, viens, mon biquet. Ah, attendez, on va lui faire faire une sieste avant, parce que je le connais. Oh là là, bah le temple il a revêtu ses plus beaux parements de la fête. Je ne sais pas quelle fête puisqu'on est en plein été. Mais pendant qu'il dort au moins, voilà, on va pouvoir de quoi il se chauffe. Ah super, tu vas venir creuser là, tu vas venir là.
Ici, c'est un endroit où on fait des rave parties, n'est-ce pas? Et tu vas pouvoir examiner ici. Hein. Ah, il y a ça aussi. Oh là là, et examiner ça. Bon, voilà, c'est déjà bien. Alors, pour les squelettes, c'est un peut-être et deux non. Il va aller creuser ça également. Oh, elles sont belles tes coupelles, hein. Je sais, je l'ai déjà faite. Alors, et ici, eh ben, on sait pas. Vas-y, tu vas faire une offrande aux Glyphfeuilles. Puisqu'on est resté là où on est plus proche. Oui, c'est bon, ça a marché, mon biquet. Allez, tu peux venir ici tout de suite. Et on va descendre. Ah, c'est le fameux couloir qui m'angoisse un peu. Tu vas venir examiner ça et examiner ça. Qu'est-ce qu'il marche avec assurance, celui-là? Je vous dis, c'est qu'il ce qu'il a sûrement pas besoin. C'est de la phénylalanine. Ça, il en a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'il te dit, Nom Nom? Il dit que rien n'est bon. Ok, donc c'est forcément un des squelettes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, le guerrier de droite, parce que quand on l'a dans la main droite, ça fait de la joie à Iowa. Je fais n'importe quoi. Allez, tu viens examiner ce petit. Ah, il y a un petit trésor à ouvrir ici. Et puis, ben, il reste d'autres choses à examiner, donc sauf si tu trouves du premier coup, mon coco, il y a du taf. Ok, alors, insulter la pierre qui s'écroule peut-être, mais pas sûr. Le trésor, lui, j'espère qu'il en a plein à l'intérieur. Waouh, des trucs qui brillent. Une relique en or? Une perr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 
Les plantes carnivores. Bon, bah voilà, on est en jardinage 10, donc go récupérer le trésor directement. Hein. Ils s'emparent du trésor. Fais-moi voir ce qu'on a eu, parce que là, bon, une assiette. Non, c'est pas que je suis pas contente de pas avoir des assiettes, mais moi je veux les reliques. J'en ai marre. Alors, tu te fais agresser par quoi aujourd'hui, mon biquet? Tiens, il y a un trésor à ouvrir ici et il y a des trucs à creuser également. Donc, bah, tu vas creuser, hein, mon petit cœur. Hein. Voilà. Bon, je dis plus rien, moi, mais tu creuses. Voilà. Et puis même, tu feras de la pêche, tiens. Tant qu'à faire. Il a reçu une assiette. Ouais, une assiette. Encore une, ok. On va être pété thune, c'est déjà le cas. Heureusement parce que ta maison, elle vaut bien cher. Et elle n'est pas finie. Mais non, mais les chauves-souris! Ah, Yowa les voit arriver dans un élan d'adrénaline. S'apprête à esquiver leurs attaques grâce aux longues heures d'entraînement qui lui ont permis d'être en pleine forme. Et oh non! Je t'ai dit de pêcher, tu pêches, wesh! Eh, c'est pas des vieilles chauves-souris qui vont t'emmerder, ni des moustiques. Hein. Et c'est un niveau 4 de pêche magnifique. Et zut, c'est pas une relique ça, mon coco, hein. Un petit calcaire à extraire. Et non, toujours pas. Alors, c'est un joli poisson, mais moi je veux que tu me pêches une relique en or. Ouais, calcaire. Quelque chose, quoi. Ah, bah voilà qui m'intéresse. Une énergie liquide. Je parlais trop vite. Oh, bah toujours un très très gros poisson, un tambaki. Mais ça ne m'intéresse toujours pas. Bon, allez, vas-y, arrête de pêcher. Va creuser un truc. Est-ce qu'il y a des trucs. Ça a repoussé ici ou pas du tout? Non, ça a pas repoussé. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, bah voilà, de toute façon, c'est la nuit. Il est pas fatigué pour autant, mais on va quand même rentrer à la location. Puisque, bah, il faut, quoi. Voilà, en attendant que le temple se régénère. Et comme on a fini d'explorer toutes les autres portes. Voilà. Le petit cristal opale de feu devant la maison. Bah écoute, c'est good. Tu peux rentrer, aller aux toilettes. Tu vas manger un truc. Voilà. Hein. Un bon petit chili qui va bien. Et ce sera bien. Voilà, ce matin, il se réveille. Il est concentré. Peut-être plus concentré. On sait pas trop. En tout cas. Ouais, t'es content d'avoir des reliques? Tu te fous de ma gueule? T'en as trouvé aucune là. Alors viens pas l'ouvrir. Hein. Bon, eh ben on va retourner au bar, hein. On va aller discuter, amical. Bon, respectueuse, vas-y, va papoter, parce que lui, il a besoin de social, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Bah oui, bah attends, menu secret. Non, je sais plus, hein, ce qu'on avait fait. Vas-y, tu vas prendre ça après, je sais plus du tout. Quelles sont les recettes qu'il devait encore apprendre? Il me semble qu'il en restait qu'une seule, mais on n'est plus à grand. Voilà, c'est plus grand-chose qu'il faut. C'est juste. C'est pas très compliqué, quoi, on va dire. Ah voilà, quelle association incroyable de saveurs. Maintenant, il a bu le espuma agria. C'était un des trucs qui restait, quoi. Voilà. Du coup, là, ces petits tours pour creuser les choses du coin. Si seulement ça pouvait être le dernier petit calcaire, hein? Hein, on peut avoir l'espoir de ça. Ah, ouais, voilà, ouais, le crâne d'extraterrestre. Ouais. Quel bonheur. Tiens, mais qui arrive au bar? Hein, petite tenue, partager des histoires de voyage. Oh, bah oui, avec Fatima Rosas. Bah oui, c'est celle qui l'a charmée, on va dire, la semaine dernière. Hein. On va dire ça comme ça, parce que... voilà. Et le voilà arrivé sur son fier destrier, le cheval vert à deux roues. Le vélo. Trop de meufs autour de toi, Yowan, non? Celle-ci? Ah non, celle-là, on la connaît pas, dis donc. Vas-y. Sachant qu'il y en a un qui te fait ta concurrence, là. Attention, hein, rien, ça remue du cul. Bon, après, il est pas hyper bien gaulé non plus, donc... Pas sûr que ça marche auprès des meufs. Hein. Ça y est, Ayewa nous fait de la petite sim rumba pour le bar. Et on peut dire qu'il y a quelques petites demoiselles qui se rincent l'œil.
N'est-ce pas? Surtout elle, parce qu'elle se dit « Ah oui, c'est vrai que ce déhanché, moi j'y ai goûté, et puis ben franchement, il se démerde pas mal, hein, le petit, là !» Voilà. Là, il commence doucement. Et après, le déhanché se déchaîne. Ils sont tous en train de l'admirer, ça me fait triper, quoi. C'est complètement débile. Mais c'est drôle. Donc, ça va. Bon, après cette petite excursion bar, vas-y, crée-moi un site de fouille ici. Je perds patience, je perds espoir. C'est assez relou en fait. Hein. C'est un challenge que je pensais pas qu'il serait aussi long. Ah, et bah écoutez, on va pouvoir venir jusqu'ici. Le temple est de nouveau dispo. Donc, Kaiowa va pouvoir revenir faire un petit peu de fouille. Et tu me prendras celui-là aussi au passage. Et le site de fouille, ben, on le fera la semaine prochaine. On regardera ce qu'il contient la semaine prochaine en espérant ben, trouver des choses qui nous intéressent. Allez, c'est sur cette image d'un Iowa beau, souriant, fringant et prêt à découvrir un nouveau temple, à affronter de nouveaux dangers du temple, que moi je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude. Vous aurez eu de la simrumba, hein. Je sais que vous êtes venus que pour ça, mais bon voilà. Vous pouvez toujours liker et commenter, moi ça fait des bonnes stats à ma vidéo et aussi partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. Ciao ciao !